Là, donc, ensuite, dans le quatrième exercice, montrer que, quel que soit x appartient à R, x moins y, le valeur absolue de x moins y, alpha égale x au carré moins x plus 1. Très bien, nous allons l'exercice à la tchèque. D'ailleurs, il y a une valeur absolue qui est derrière. Il y a une ok? Il y a soit x fait le soit x supérieur ou égal à 1, soit x inférieur à 1. Très bien. Donc, si x supérieur ou égal à 1 implique x moins 1 supérieur ou égal à 0 implique le valeur absolue de x moins y inférieur à ou l'est supérieur ou égal à quoi? Pardon. Égal à x moins y. Donc, x au carré moins x plus 1 moins x moins y, yani le valeur absolue de ça. Donc, égal à quoi? Égal à x au carré moins x plus 1 moins x plus y. Plus 1, pardon. Ce qui n'est y. Je veux dire, je mange ainsi. Moins 1. Donc, plus 1. Donc, égal à quoi? Donc, x au carré moins 2x. Plus 1, plus 1. Donc ça égale à quoi? Égale à x moins 1, et tout au carré, plus 1. Donc ça, toujours positif. Alors quoi? Le valeur absolue de x moins y, moins 1, inférieur égal à x au carré, moins x, plus 1. Toujours qu'il reçoit x, c'est peu égal à 1. Donc croyez-nous le deuxième cas, c'est x inférieur strictement à 1. Si x inférieur strict à 1 implique x moins 1 inférieur à 0 implique x moins 1. Le valeur absolue égale à moins x plus 1. Donc on déroule la soustraction à la différence de x au carré moins x plus 1 moins x plus 1. Égale à quoi? Égale à x au carré moins x plus 1 moins avec moins égale à plus x moins donc moins 1. Donc, simplifie moins x, 1 moins 1, donc je prends x au carré, ça toujours positif. Ainsi, quoi? Valeur absolue x moins y, inférieur ou égal à x au carré moins x plus 1. C'est très bien. Donc, je vais faire l'exercice 4.